C'est une bienvenue dans une survie en caddie. Bonsoir. Bienvenue à la salle, dans, pas dans une, oui, mais dans une course Air de Race, la salle. Alors apparemment c'est une course où on n'aurait pas besoin de toucher la manette. C'est quelqu'un qui m'a envoyé dans le Discord, il m'a dit écoute, fais cette course, elle est incroyable, elle est Weekend Bobbies in the West forever and ever. Et ben écoute, on va voir la salle ce que ça donne, tout simplement. Ah ouais, déjà faut booster. Là pour le moment. Attends, d'accord, mais moi je veux dire Air de Race, je... ok. Bah, pour moi j'ai pas confiance, donc pour l'instant, je maîtrise. Mais au bout d'un moment, vous pouvez bien, vous connaissez les courses, ils aiment bien nous mettre des Weekend Bobbins à chaque fois. Pour arriver jusqu'au point. Ah ouais, la salle, toi t'es là en fait cette année. Mais c'est quoi, c'est un truc Rocket Voltique Non. Au début, en fait, tu vas partir normal, tu vois, genre classique, petite course en Air de Race, tu vois, enfin, genre petite course en. En roquette, tranquille quoi. Et après, vient l'air de race. Oula, par contre, faut aller où? J'ai boosté en l'air. Hein. J'ai boosté en l'air aussi. Hop. Waouh, fallait Goulizada la salle, ouais. À Ken Bruel. Ouais, parce que là, à mon avis, pour l'instant, la manette. Ouh, transfert, les gars. C'est pas du air de race, à mon avis, le transfert. Ah ouais, je pense. Ah ouais. Je sais pas, mais. Oh, moi là, je suis derrière. À mon avis, c'est un truc défi, hein. Ça s'appelle Boost Bloom, c'est pour ça, donc il n'y a pas Air de Race. Ah là là, mon véhicule a dérapé, peut-être que je pense qu'il là là. Nuni, Nuni va arrêter la vidéo parce que son véhicule a dérapé. Là là là. Il faut aller où là ? Pareil, Goulizada la salle, ouais. Moi j'aime bien, hein. C'est vraiment stylé. C'est pas ouais, mal. Après, figurez-vous que c'est pas la seule course, donc il y aura d'autres courses derrière, les gars. Si jamais on n'a pas une Air de Race là maintenant, il y en aura. C'est un peu Air de Race par moment. Genre là, j'étais dans un truc, c'était un peu Air de Race. Ok, bah Eden, je t'attends, hein. T'es où ? Écoute, bah je sais pas, fallait que je booste assez haut. Du coup, ouais. C'est bon là. En fait, c'est que j'avais pas d'élan, je savais pas où aller. Donc c'est bon. Ok, bah j'arrive. Je ne pas déraper encore une fois. Ah bah écoute, je crois que mon véhicule il aime bien déraper là, ça là. Tu sais que pourtant, je le fais bien et tout, hein. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ou pas ? Ouais. Parce qu'il écoute du rap. Et du coup, il dérape. Ah ouais, t'es chaud ! Eh ouais, les gars. Pour sortir ça. Toi, ouais, c'est pas mal. Toi, tu vas à concours de blague épisode 2, en fait, c'est ça. Ah ouais. On l'a. Hein. La ça fait 2-3 jours qu'il me dit j'ai trop hâte de faire blagues et tout. Donc Enfin, j'ai compris la technique. Ah bon ? Ah, j'étais moi-même pas au courant. Si tu me l'as dit, alors. Tu m'as dit j'ai hâte de faire des blagues. C'est vrai que tu m'as dit ça, la salle. Non, mais ah il y aura un concours de blagues contre la salle, parce que c'est vrai que la salle il demande un concours de blagues avec toi. Mais oui, il demande tous la salle. Ah, ok, ah oui. Bah oui, je sais ce que tu veux dire. Il aime trop les concours de blagues et tout. Alors, les gars, juste comme ça, hein, je viens de rentrer dans le Air de Race et c'est trop stylé. Mais vraiment trop stylé. Ouh ! Ah ouais, c'est trop stylé. Ah ouais. Vous allez kiffer. Et bah, figure-toi que je suis dans un Air de Race, la salle. Je ne vois pas ça. Non, mais. Non, rien à voir. Non. Il y a un truc, vous allez kiffer. Ah ouais ? À ce point ? Ouais, c'est abusé. Ouais, en Rocket Voltique. Ça veut dire que ça booste et en même temps, c'est Air de Race, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Tu fais des zigouigouis, quoi, au bout d'un moment. Tu rentres dans des trous de souris, tu fais des trucs bizarres. Ah ouais, bah moi, faut que je booste, par contre, là, à mon avis de vous. Ok, non, franchement, en fait, ça va, elle est pas mal du tout, la course, en vrai, hein. Eden, franchement... Ah ouais, mais c'est trop stylé. Ouais, Nune, bah en fait, je suis pas passé, je te vois, hein, mais je suis pas passé. Ok, je pense qu'il faut que je fasse ça, voilà, pour passer. Parce que si je touche le tuyau, à mon avis de vous... Ouais, en fait, il y a du Air de Race, quoi, mais c'est pas maintenant. En fait, c'est une mi-course, pas hard, mais genre mi-course... Rocket... Pas dans le trou. Non, pas dans le trou. Non... Oh, mais je suis à l'envers, là. Est-ce que j'aurai assez d'élan ou pas, les gars? Et bah, figurez-vous qu'on est short. C'est abusé. Ah, short YouTube. On non, est short YouTube, ça. Effectivement. Ah, ok. Ok. Hop. Bon, les gars, si vous tombez dans un tuyau blanc, je vous préviens parce que je viens de le faire. Faites le wall ride et ressortez du tuyau. Faites le wall ride et ressortez du tuyau, ok. Alors là, ouais, j'arrive la salle dans le... tuyau blanc. Faites le wall ride et ressortez du tuyau. Oh, mais c'est pas possible. J'arrive la salle dans la Air de Race. Ah ouais... Truc de fou, hein. Wow, Eden. C'est magnifique. Wow. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est Farai Guzada. Non, franchement, c'est magnifique.
Honnêtement, mais c'est pas fini. Et c'est bah, pas j'arrive. Fini. Hein. Ok. C'est où le Herd Race? C'est après les Transform Wall Raid, non? Ah non? Ouais. Oh my god, c'est trop. Ah, c'est dur. Ok. Non, franchement, les gars, c'est. C'est pas simplement Herd Race, ça qui est bien en fait. En fait, faut quand même booster. Tu vois, parce que la salle, des fois, je sous-estime, mais faut quand même booster, les gars. Oh non! Bon. J'ai pas compris. Ouais, tu vois, normalement, je suis censé passer direct, mais des fois, il y a des. C'est un peu space, hein. Là, ça, tu passes, toi? Ouais, ben moi, j'avance, là, les gars. Je pense que je suis un peu loin. Ok. Après, on est en roquette voltique. J'ai envie de dire, c'est de la logique. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je crois que je vais pas récupérer mon boost. Est-ce que je vais avoir assez d'élan? Ouais. Ok. La boost. Et là, vous voyez, il faut bien booster en arrière, technique de la salle. Parce que si vous faites pas la technique de la salle. Et je vais même aller un peu loin. Je pense que je vais toucher le tuyau. Ouais, je vais toucher le tuyau. Ouais, je vais toucher le tuyau. Ouais, je vous ai dit, les gars. Maintenant, je sais la salle, tu vois. Comment dire je connais mon élan. Tu vois, genre. Ouais. Je connais le véhicule. Je sais quand est-ce qu'il faut booster, quand est-ce qu'il faut pas booster, tu vois. Eh ben j'ai de nouveau un air de race, c'est parti. Oh non, wow, ok. Par contre c'est de la course à la salle, ouais. Ah bah pas mis oh, droit. C'est stylé. Waouh. Ah ouais, trop stylé. Non mais c'est ouais, en fait, le air de race par contre il est parfait, hein. Je veux pas dire mais. Ok, et eh ben écoute la salle, figure-toi que là. Non, pas assez d'élan. Voilà, en fait j'aurais pas dû toucher parce que vous voyez avant j'ai touché. Alors qu'il ne faut pas toucher. Pas toucher à haut. Faut pas toucher. Ouais, en fait, elle est longue la course, la salle. Hein. Ouais, bah moi j'ai fini, mais ouais. Ah, eh, c'est magnifique, par contre, la roquette. Va sur mon écran, la salle. J'arrive. I'm coming. Je crois que je suis au Herd Race, je crois. Alors, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, la salle. Ouais, il est où, là. C'est vrai que Eden, il est pas au courant, mais après le BMX, je me suis spécialisé dans la Scramjet et la roquette Baltique, mais vraiment. Bah ouais, mais de toute façon, le BMX, pas foufou, tu m'avais dit. Sur PS5, ouais, non. Nuin, par contre, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Je sais pas, c'est ça qu'il faut faire ou pas? Ah, la Herd Race, c'est non. Pas mal, ça, hein. Je vais respawn, mais... Ouais, c'est au-dessus, ah, hein. Ah, d'accord, j'avais même pas... Oh, la Herd Race, c'est incroyable, ouais, les gars. J'aurais pu l'avoir. Ouais, t'as la Herd Race, là? Ouais, incroyable, incroyable. Ouais, par contre, il y en a d'autres. Vraiment, vraiment belle, la salle, la course, ça, ouais. Ouais, elle est vraiment stylée. Okay, il a bien ouais. Fait. Il a bien fait de pas faire que Air de Race. Au moins, il y a du défi. Ouais, genre, okay. C'est stylé. Allez. Tu souffles comme ça, t'aimes bien. Ouais. Ouais, Nguyen, t'as fait n'impe là. Mais regarde. Ah, quand même, là, ça. Tu me sous-estimes trop, là, ça. T'as remarqué moi, Non, mais ouais. Moi, j'ai fait ça, mais en prenant le point, là. J'ai pris le point, j'ai boosté vers la gauche et je suis descendu direct. Ah, ouais, t'as un level. Mais ça va, quand même, j'ai réussi à rattraper, tu vois. Ah, on arrive dans une Herd Race là, Eden. Attention, Herd Race. Magnifique. Wow, c'est ah, mais juste aussi, incroyable, ouais. Incroyable, mais vrai. Et là aussi, c'est incroyable. Waouh. Parce que là, tu dis. Ah, ouais, ça va toucher. Et après, non seulement ça touche pas, mais en plus, t'atterris dans un truc. Waouh, dans un trou de souris. Eh oui, faut booster vers le haut. Et là, je vais booster comme ça. Technique de la salle. T'inquiète, la salle, je pense que la force. Que tu me dises un win boost en arrière, et bah figure-toi que je booste là, en arrière. J'ai fait exactement ce que t'as boost, dit. Boost, le tuyau blanc. Ah ouais? Ah ouais? Le tuyau blanc, t'es dedans. T'as wall ride. Ouais. De toute façon, ça donnait envie d'aller dedans. Mais non. Ah, oh, je suis dégoûté. Moi, je voulais y encore du peps là, la salle. Regarde, là, je suis au tuyau là. Ah bah ouais, mais. Et tu attaques. Eh ben là, Eden, moi j'ai atterri dedans, j'ai wall ride et je suis ressorti. Ah ouais, le mec il a pas le temps. Allez, écoutez les gars, je vous invite dans une vraie Herd de race cette fois-ci. C'est parti, Eden, Osiris Burger Shot. Toi qui aimes les burgers, t'as déjà testé un Burger Shot, Eden, à Los Angeles, toi qui es parti à Los Angeles? Eh ben écoute, j'ai testé des burgers là-bas. Honnêtement, c'était pas ouf. Après, voilà, hein, c'était trop gras, genre, mais vraiment. Ben je crois que je vous avais envoyé une vidéo, une photo, non? Ouais. C'était rempli de gras, le papier était tout mouillé. Oh. Mais tu sais qu'apparemment là-bas, les coca, la salle, c'est pas genre nous, c'est quoi? C'est 25 centilitres, 50 et tu sais. Mais là-bas, c'est des bidons. Apparemment, là-bas, t'as des coca de 1 litre et tout. Vous voyez les,
Vous voyez, genre déjà, moi, en gros, j'étais dans un hôtel et tout. Et le frigo, je le vois, il est big, le frigo. Tu vois, tu sais que c'est bizarre, genre. Le frigo, il est énorme. Gros, je suis allé à une supérette, en fait, là-bas. Ouais. Et toi, tu vois les bidons d'essuie-glace, la petite pour voiture. Ah ouais. Vous voyez vous voyez la forme du bidon, le plastique. Oui, le bidon plastique rond de 5 litres. Voilà. Et ben, je vous jure, il y avait pareil avec marqué Ice Tea dessus. Je vous jure, c'est vrai. Ah putain, ouais. Tape bidon Ice Tea. Ça nous serait avantagé, ça, ouais. On aurait juste à prendre des bidons, au lieu de prendre 10 canettes, à 10 bouteilles, la salle, on aurait pris un bidon. Ah, voilà. Je pense que ça devait être pour toi ce que j'ai vu dans la story d'Anwin. Ouais. Il était complètement malade, hein. Il est allé me faire mes courses. Ah, mais t'es complètement malade. Ah ouais, non, mais il y a plein de gens qui ont réagi à la story, hein. Franchement, je crois, heureusement que j'ai pas de carte. Mais tu sais, j'en ai une, mais t'inquiète, dès que je l'ai la salle, je te le dis. Et là, mon pote va vouloir faire le stock, hein. Là, c'est illimité. Ok, par contre, les gars, je suis passé. Je sais pas, vous êtes où. Parce qu'il faut faire au tuyau. Il fallait faire, ouais. Ouais. Écoutez, j'ai freiné, je sais pas trop ce que j'ai fait. Monter ou descendre au tuyau? Descendre. Ah ouais. Faut juste aller vers le bas, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est une air de race plutôt looking bobbin, si j'ai envie de d'accord, dire. D'accord, ok. C'est ça, c'est... Allez, descendre. Wow. Ah, ok. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est Osiris Flip bizarre, en fait, bizarre. Les gars. C'est chelou, son truc. Bon, les gars, je suis dans le tunnel de... Vous savez, le tunnel pour aller sur la plage. Ralenti, parce que... Genre, Nguyen, t'es plus vif d'esprit que nous, comme ça, d'un coup, genre, tu sais. Bah, ouais. Pourquoi pas. Mais t'as mangé quoi pour... Bah, je sais pas, on se demande. J'ai mangé des brochettes de dinde, et nous, des côtelettes de veau, la salle. Enfin, des côtes de veau. Mais tu sais, en fait, tout à l'heure, tu me disais côte de veau, la salle. Parce que faut juste la salle, il me dit, prends-moi des côtes de veau. Mais en fait, je voulais prendre quoi au début? Des côtes de bœuf. C'est pour ça que je me disais, il y a un problème, là. Je t'aurais ramené 4 grosses côtes de bœuf, t'aurais été choqué ou pas? Pire. Waouh, ah ouais, j'ai explosé. Oh my god. Et ouais, par contre, les gars, à mon avis... Ça, c'est bon. Waouh. Ouais, en vrai ça va, elle est pas mal, il y a des petits stuns, c'est plutôt sympathique. Mais jusque là à faire... C'est quoi, de race là, ici? Ah, bah j'ai foncé dans le mur là, ça je pense que tu vas faire exactement pareil. Ah oui, j'ai foncé sur un mur. Et quand tu vas respawn, regarde. Ah bah j'ai pas eu le point, ok. Ah ok, bon bah... Ah ça c'est pas mal. Eh bah écoutez les gars, je suis à mon deuxième tour et honnêtement, on a quand même connu mieux en termes d'air de race, hein, les gars. Ouais, là, il y a des moments où moi ça passe pas. Hein. Moi ça va, j'ai pas eu trop de galères, une fois peut-être où j'ai eu une galère, mais sinon. Bah, c'est-à-dire que nous en fait, avec la salle, vu qu'on a pas testé la course avant, en fait on a pas. Vous avez pas testé, comme moi également j'ai pas testé. Ah ouais que vous les aidez... non. Ah bon. En fait, à un endroit c'est vraiment bizarre. Hein. Ouais, j'avoue. Ah ouais. Lequel? Bah, ou alors t'as peut-être pas fait exprès de tomber, peut-être. Dans le tuyau Dans le tuyau, ouais. Ouais, bah non, je suis descendu en fait, tout simplement. Ok. Parce tout que simplement. On a bombardé tout droit en fait. Je pensais qu'il fallait faire le tour. Par contre, si vous aviez une note à mettre, les gars, sur la première course, ce serait combien? 10. Ouais, 10 parce qu'il y a du level, c'est un peu dur, c'est sans vraiment l'être. Ouais, elle est magnifique la course, en vrai magnifique. Par contre, celle-là, les gars. C'est l'une des plus belles qu'on ait faites, je pense. Hein. En roquette, il me semble que la salle, elle avait fait une pas mal. Tu te rappelles la salle? Non. T'avais fait une course... Mais si, t'avais fait une course... en roquette. Ah bon? Non, il a 4000 vidéos, comment tu veux que... Mais si, t'avais créé une course L3 Race. Ah, que j'ai créé, oui. Bah oui, je me rappelle. Voilà, celle-là, elle était magnifique. Après, il y en a qui l'ont refait, ils en ont fait des pas mal. Wow. What is this? What the fuck? Ah ouais, ouais. T'es au deuxième air de race, non? Ouais, mais ma Osiris elle a fait un truc trop chelou. J'ai pas compris. Mais Alors, faut me dire que je te dépasse. Du coup, ouais, moi je mettrais un bon 10 quand même sur la première. Elle est peut-être pas 10-10. Non, elle est quand même 10-6, c'est quand même. Mais par contre, celle-là, les gars, vous mettez combien vous? Waouh, mais je fais deux fois la même erreur, Eden. Bah, moi ça va, je l'ai pas fait avant et là je viens de le faire. Mais je suis devant du coup, Eden. je suis devant là. Combien, celle-là? What? Celle-là, elle est pas mal, mais enfin, il y a des moments où ça passe un peu une fois sur deux, tu vois.
Mais bon, la création est quand même bon, hein, mais... Ah, mais tu mets combien? Bah, vas-y, je mettrais 7 quand même, parce que bon, ça reste 7 quand même, hein. Oh, t'es gentil, toi. Ouais, ouais, non, mais parce que je serais incapable de créer ce truc-là, donc... Ouais, c'est... Je reste vrai, modeste, quoi. Si je savais faire et tout, j'aurais dit, bon, voilà, frérot... J'aurais mis 2, hein, maman, je peux pas... Moi, je mettrais 4. 4. 4, 4. Ouais. 4 et je trouve que c'est gentil. Moi, personnellement, je mettrais quand même un petit 5 parce que, bon, voilà, je lui donne la moyenne quand même, tu vois, pour la création, tu vois, mais ça reste quand même catastrophique. Creativity. Ouais, bah, ça reste catastrophique, mais on finit. Heureusement que la première était magnifique, les gars, mais en tout cas, si vous avez une R2 Race, n'hésitez pas à me les envoyer ou si vous en créez sur le mail qui se trouve en description.